sits on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on me. Bonjour et bienvenue sur Blaise FM dans l'émission Carrefour des sciences en compagnie de Margot Gelch. Bonjour. Aujourd'hui, modification du programme puisque nous avons pu constater des phénomènes étranges. Margot, pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, des phénomènes alarmants sont survenus dans la matinée. Nous avons à nos côtés des spécialistes comme Monsieur Durand. Donc Monsieur Durand est météorologue à Clermont-Ferrand. Il va nous expliquer ce qu'il s'est produit, donc bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les pluies diluviennes ? Donc bonjour, je vais vous parler des pluies diluviennes. Donc ce sont des pluies très puissantes. Aujourd'hui, donc en 2019, il y a beaucoup de pluies qu'en 2008. On peut voir plusieurs régions donc en vigilance orange. Des régions subissent de lourds dégâts, comme des inondations au sud de la France. Pouvez-vous nous dire si ce phénomène est déjà arrivé auparavant ? Donc ce type de phénomène est très fréquent depuis 2009. D'accord, merci. Merci Monsieur Durand. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Bideau, également spécialiste des pluies diluviennes sur le terrain. Oui, bonjour, ici Jimmy Bideau. Je suis actuellement dans le massif central au Puy-de-Dôme. Ici, vraiment, se passe un phénomène très rare. On comprend vraiment pas ce qui se passe. Beaucoup de pluie s'aggrave en ce moment et provoque de grosses inondations qui inquiètent grandement les habitants. D'ailleurs, ils sont vraiment sous le choc et ici, c'est vraiment la panique. Pour cela, nous allons interroger donc une personne d'une soixantaine d'années pour voir un petit peu son ressenti, voir ce qu'il en pense, parce que vraiment, il a vraiment jamais vu ça, quoi. Je comprends pas, c'est tout à fait inexplicable ce phénomène. Tout ce que j'espère, c'est que les secours viendront vite me chercher, enfin nous chercher, nous les habitants. Et que ce mec disparaîtra, quoi, parce que c'est plus possible. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment, vraiment effroyable. C'est vrai que, comme le monsieur l'a dit, il est vraiment bien présenté. Donc pour ça, nous allons interviewer un membre de la Croix-Rouge pour qu'il nous explique un peu les actions qu'il va faire pour un peu sauver tout le monde. Bonjour, je suis Lucas Durand, pompier volontaire de Clermont. Oui, on a une équipe qui est mise en place pour aider les habitants, comme ce vieil homme qui nous a décrit tout cela. Merci à vous. Et nous poursuivons avec Madame Aniston, spécialiste des crues, présente sur le plateau. Donc bonjour Jenny Aniston, pouvez-vous nous expliquer quel type d'inondation il existe ? Il existe 4 types d'inondations possibles. Tout d'abord l'inondation par ruissellement pluvial, qui sont des ruissellements urbains, rapides et qui sont forts avec une imperméabilisation des sols. Ensuite, on peut avoir une inondation à montée lente. C'est quand la rivière sort de son lit mineur et inonde les plaines pendant une période relativement longue.
Ensuite, une inondation par subversion marine, qui est une inondation de la zone côtière par la mer et qui peut s'aggraver lorsqu'elle se conjugue avec une tempête. Et enfin, l'inondation à laquelle nous faisons face à 100% sur Sioule, l'inondation à Montera Rapide, qui sont des crues brutales, fortes et violentes, avec un temps de concentration de moins de 12 heures. Cela peut former des barrages qui s'appellent des embâcles, et ça peut être très dangereux, voire mortel. À quel type d'inondation avons-nous affaire ici ? À une inondation à Montera Rapide. D'accord, merci. Merci Madame Aniston. Nous allons à présent recontacter notre équipe sur le terrain avec Madame Kepper, reporter pour notre rubrique. Bonjour, je m'appelle Alexandra Kepper, je suis géologue spécialisée dans les sciences marines et professeure à l'Université française de Dijon, une institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la Sioule a monté. Mon équipe et moi avons rarement vu cela. Merci Madame Kepper. Et donc tout de suite, nous allons faire une pause avec une chanson tournée dans le vide de Indila. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez ? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur, vous êtes faussement heureux. Troquez vos valeurs, lui il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas, lui qui me fait tourner dans le parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. On ne nourrit pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Sous
Nous nous retrouvons dans l'émission Carrefour des sciences, toujours en compagnie de Margot Gelch. Et Jeanne-Maria nous a rejoint dans le studio. Alors, vous êtes docteur en botanique au CBNBP d'Orléans. Margot, c'est à vous. Oui, donc bonjour Jeanne-Maria. Bonjour. Expliquez-nous un peu à quoi ressemble cette nouvelle plante qui s'est propagée à Saint-Pourçain depuis Orléans. Bonjour à tous. Oui, donc on a remarqué récemment l'apparition d'une plante invasive qui ne semble correspondre à aucune espèce répertoriée. On pense peut-être à un hybride de renouée du Japon, car on a trouvé quelques ressemblances, notamment des feuilles pointues, des tiges creuses et la présence de nombreux rhizomes. Il pourrait donc s'agir d'une plante de la famille des polygonacées, donc c'est-à-dire une plante herbacée qui se développe dans les zones tempérées, mais pour l'instant, on ne peut pas émettre un avis certain. La plante est apparue près d'Orléans, mais depuis, il semblerait qu'elle ait colonisé la région centre et qu'elle commence à arriver dans l'Allier. Et c'est justement ce qui est inquiétant avec cette plante, c'est cette vitesse de développement phénoménale malgré le froid, et d'autant plus qu'avec les pluies et la montée des eaux qui se sont déclarées dernièrement, elle semble pousser encore plus vite. Récemment, on a remarqué qu'elle pouvait à la fois former des buissons et s'enrouler autour des arbres comme une sorte de lierre, et on ne sait pas du tout quels vont être ses effets sur la faune et la flore. Pour l'instant, on garde un avis réservé, mais on se demande s'il ne va pas bientôt falloir prendre des mesures sérieuses pour lutter contre ce parasite. Merci pour ces précieuses informations. Nous allons maintenant demander son avis à notre sismologue, Charline Hume, en direct à nos côtés. Bonjour à toutes et à tous. Je viens effectivement pour vous parler de l'épisode qui est survenu hier soir en Auvergne. En effet, quelques fissures sont apparues dans la campagne bourbonnaise hier soir vers 22h08. Elles sont encore présentes et se sont aggravées ce matin. Leur profondeur et leur largeur se sont amplifiées. Nos scientifiques sont déjà sur place. Nous ne pensons pas que la situation est alarmante pour l'instant. Cependant, nous avons du mal à trouver la source de ce séisme. De plus, la campagne bourbonnaise a un risque très faible d'être atteinte de séisme. Madame Hume, pouvez-vous nous dire d'où viennent ces fissures et depuis quand sont-elles présentes sur nos sols ? En fait, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais mes collègues et moi pensons que ces fissures proviennent du ciel. Nous n'avons encore aucune information, mais nous nous laissons penser que c'est à cause du magmatisme de la Terre. En effet, nous connaissons tous les dangers que les séismes peuvent provoquer, mais celui-ci est vraiment particulier. L'Allier est une zone qui n'est pas sismique. Merci à vous, Madame Hume, et nous donnons la parole à une confrère journaliste spécialiste des émissions médicales, également sur le plateau. Bonjour, Madame Carrel. Bonjour. Donc bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe d'anormal dans les rues de Saint-Pourçain ? Donc vous devez tous savoir qu'en ce moment, il se passe des phénomènes assez étranges dans la ville. Donc pour cela, je suis allée interroger quelques passants, dont deux qui pourront peut-être nous éclairer. Donc nous allons donc écouter Anna. En promenant mon chien un soir, je suis tombée sur mes voisins. On a commencé à parler de notre voisinage, de foot, tout ça. Il commençait à faire beau. Et là, d'un coup, mon chien, il s'est affolé. On a commencé à entendre des bruits suspects. Enfin, ça a tremblé, je comprenais pas trop. Et on a dû couper la conversation parce que mon chien, il courait partout, il était paniqué. Du coup, on est parti en revenant... En arrivant devant chez moi, les bruits, ils ont commencé à revenir. Et du coup, mon chien, il a couru à la porte de la maison. Et après, j'ai beau chercher sur mon téléphone, écouter la radio, regarder les infos, il n'y a personne qui en parle. Je ne trouve pas les réponses à mes questions, donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Maintenant, nous allons écouter les témoignages de Mathilde. Donc oui, effectivement, j'ai écouté aussi ces bruits lorsque je me promenais dans l'avenue Pasteur. Donc je me demandais d'où ça venait. Et j'ai regardé, donc en fait, ça avait l'air de provenir des égouts. Donc c'était vraiment effrayant, il y avait comme des vibrations. C'était vraiment effrayant, donc du coup, j'ai préféré partir. Et suite à ça, j'ai été me plaindre à mon ORL qu'il y avait vraiment des bruits bizarres et que je comprenais pas si ça venait de moi ou de c'était pour tout le monde pareil. Et donc elle m'a dit que oui, elle aussi, elle avait eu des patients qui se plaignaient et qu'on savait toujours pas d'où ça pouvait venir et qu'on inquiétait encore sur ce sujet. Ces deux témoins sont donc allés consulter l'ORL pour savoir d'où cela provenait et j'ai décidé donc de prendre contact avec ce médecin qui m'a donc expliqué que ces témoins n'avaient pas du tout de problème d'audition et que beaucoup de personnes s'en plaignaient. Je me suis moi-même renseignée, je suis allée sur les lieux, j'ai contacté beaucoup de scientifiques qui m'ont donc aidée à comprendre et qui m'ont finalement expliqué que ce problème venait des nappes phréatiques. Merci Madame Carrel, tout cela est très inquiétant mais paraît beaucoup plus plausible. Oui effectivement, le fait que cela vienne des nappes phréatiques est beaucoup plus logique. On vient de me prévenir que nous avons quelques problèmes avec notre équipe sur le terrain, donc nous allons devoir faire une courte pause. Nous allons mettre la chanson Bury a Friend de Billie Eilish.
belly. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. Nous devons interrompre la musique, enfin, nous vous annonçons que la situation s'est aggravée, nous sommes très inquiets, nous recevons beaucoup d'appels au standard, nous sommes dépassés, Margot, je ne sais plus quoi dire, nous, effectivement, nous ne savons pas quoi faire. Nous allons essayer de contacter toutes nos équipes sur le terrain, ça risque d'être très compliqué puisque dehors tout s'est rapidement enchaîné, c'est devenu très grave, donc nous allons tenter de communiquer avec Alexandra Kepper. Au bout de vous, comme dire, c'est impressionnant que la panique des habitants, le niveau de la ville a beaucoup monté, c'est la première fois que je vois ce phénomène. Alexandra, est-ce que vous nous entendez? On a perdu la ligne avec Alexandra. Nous allons essayer de reprendre contact avec Jimmy Bido en espérant qu'il nous écoute. Jimmy, vous êtes là? Vous nous recevez? Oui, voilà, c'est encore Jimmy Bido. On se retrouve encore sur les lieux du Puy-de-Dôme. Ici, les pluies commencent vraiment à devenir beaucoup, beaucoup trop torrentielles. Je pense que je vais pas pouvoir continuer le tournage ici. Vraiment, je pense... La ligne a coupé. Oula, c'est très étrange. C'est très étrange. Ah oui. Non, on va essayer de rentrer en contact avec notre sismologue sur le terrain, Monsieur Trifon. Oui, je vous reçois 5 sur 5. En effet, de mystérieuses fissures sont apparues hier soir aux alentours de 22h, d'après les locaux. Les fissures sont plutôt larges et paraissent très profondes, selon les spécialistes qui sont déjà sur place et ont envoyé des sondes pour les inspecter. On ignore encore leur provenance, mais selon les relevés météorologiques, une perturbation des coups sismiques à plusieurs centaines de kilomètres en Italie aurait pu avoir un effet à plus grande échelle que prévu, provoquant ces fissures. Leur épicentre se trouvant à proximité de ces zones de France, leur effet aurait pu avoir un effet beaucoup plus dévastateur que cela. Ah, attendez, on m'informe que l'état des fissures évolue plus vite que prévu. Oui, on peut voir qu'elles s'élargissent à vue d'œil. Mais comment est-ce possible? Ce n'était pas prévu comme ça, enfin. Mais quelles sont ces secousses? Pourquoi les bâtiments tremblent? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais interpeller un spécialiste. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Que se passe-t-il? Ah, partez! Qu'est-ce qui se passe? Partez! Monsieur Trifon, c'est bizarre, la ligne est encore coupée. Est-ce qu'on rend l'antenne? Non, nous allons essayer de contacter notre chercheuse en botanique, Lynn Moison. Est-ce que vous nous recevez, Lynn? Je suis sur le terrain, à côté d'un arbre envahi par les plantes. Je suis assez inquiète, je vois comme des grosses boules noires qui apparaissent au bout de leurs tiges. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je pense qu'il faut que je m'en aille, ça commence à devenir effrayant en plus. Il pleut des cœurs, je ne sais pas ce qui se passe. J'entends comme un grondement, on dirait que ça sort des plantes. Je suis désolée, je pars. Il y a des insectes qui sortent des plantes. Lynn, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? C'est un nuage d'insectes. Lynn, partez. Bah, partez. Je ne vois plus rien. Au secours! On dirait des moustiques énormes, c'est horrible. Je vais me faire engloutir là. Lynn, vous nous entendez? Ça a encore coupé. Ligne, c'est encore une coupé. Fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, il y a un moustique dans le studio. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit partir. On s'en va, c'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que ça? Thank you.
everything owes its existence solely and completely to sound. Vous êtes bien sur Blaise FM, la radio de ST scolaire Blaise de Vigenère, sur 104.5 et radiolycée.fr. Retour au CAM au studio. Nous laissons nos reporters sur place gérer cette situation de crise. Nous allons pouvoir passer à notre chronique littéraire. Donc bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Blaise FM, toujours sur la fréquence 104.5. Et aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Elorane. Bonjour Elorane. Bonjour. Et de moi-même, Jessica. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour parler des rencontres d'auteurs que nous avons faites au Salon du Livre de Combronde, organisé par l'association Andra. Aujourd'hui, nous allons vous parler des trois derniers auteurs que nous avons eu la chance de rencontrer. Commençons par l'auteur Josie Hack. Nous vous passons l'enregistrement de notre rencontre tout de suite sur Blaise FM. Bonjour, pouvez-vous dire quelques mots sur vous pour commencer ? Quelques mots. Alors moi, je suis Josie Hack et je suis auteure d'une série de romans policiers dont l'action se déroule en Auvergne. Ce sont les enquêtes du commissaire Lagarde et également d'une petite série pour jeunesse tout public. Il s'agit de quelques enfants qui sont à la chasse, qui chassent les vampires, qui cherchent à démasquer un vampire. Voilà, donc j'écris ces deux séries indépendantes l'une de l'autre, mais avec des personnages récurrents. Voilà. Vous avez dit votre nom ? Votre nom ? Josie Hack, je l'ai dit, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné en fait envie d'écrire avec des scènes qui se passent dans la région ? Parce que je suis une randonneuse passionnée, alors je sillonne la région, surtout le Puy-de-Dôme, et il y a des endroits qui inspirent, il faut dire. L'Auvergne ne manque pas de beaux paysages, de volcans, de grottes, de tout un tas de choses qui peuvent inspirer quelqu'un. Oui. Vous avez dit que vous avez écrit une série avec des vampires, donc vous aimez bien jouer avec les genres, en écrivant différents genres. Oui, enfin, j'aime bien le mettre un petit peu de mystère dans mes ouvrages. Et puis, bon, la série du tout public, enfin, se passe dans les années 60, à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, de jeux électroniques. Les enfants, bon, ils s'intéressaient à autre chose. Ils croyaient, finalement, ils croyaient encore en fantômes, peut-être plus aujourd'hui. Maintenant, c'est plus le robot. À l'époque, c'était plus le vampire et le fantôme. Donc, c'est un peu de la nostalgie, enfin, de cette époque-là. Où moi-même j'étais enfant. Vous écrivez depuis longtemps ? Depuis 2012. Ça fait pas très longtemps, à partir du moment où j'avais beaucoup de temps devant moi. Vous avez écrit un livre récemment ? Oui, La Pierre Rouge. Et puis cette année, j'ai sorti deux livres. Mort à la médiévale, donc c'est un des policiers de la série des enquêtes du commissaire Lagarde, donc Auvergnat. Et puis La Pierre Rouge, qui est donc le deuxième volume de la série Tout public jeunesse. Voilà, deux. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était l'interview de Josie Hack sur Blaise FM. Il est aussi intéressant de savoir qu'elle a sorti un nouveau livre de la série du commissaire Lagarde durant la fin d'année 2018. Je vais donc vous lire un extrait de son livre Lagarde, enquête à Chauvigny. Étiez-vous à Chauvigny le lundi matin 6 août entre 10h et midi ? Savez-vous où se trouve Émilie Blanchet ? Julien se leva de sa chaise. Je vous réponds deux fois par non, commissaire. Il est vrai que j'avais joué avec Lydie de faire une balade entre les gorges de la Sioule, mais la chaleur m'a fait changer d'avis. Je voulais éviter un trajet trop long en voiture. Je ne suis pas allée à Chauvigny ce jour-là. J'ai grimpé sur le puits de Louchadière pour y chercher la fraîcheur, un peu de sérénité et une réponse aux questions existentielles que je me pose en ce moment. En ce qui concerne Émilie, j'aimerais désespérément savoir où elle est et si elle va bien. Avez-vous trouvé ce que vous cherchez sur ce puits ? La fraîcheur, non. La sérénité, non plus. Mais je savais en descendant que Jenny ne pourrait pas faire mon bonheur dans la vie, ni moi le sien. J'avais décidé de rompre avec elle, et je voulais renouer avec Émilie. Depuis, j'ai appris que l'une était morte, l'autre introuvable, et l'on me soupçonne d'être un meurtrier. J'aurais peut-être mieux fait de rester au lit ce jour-là. Ceci dit, vous n'avez rien d'autre contre moi que le fait que je possède une Dacia rouge. Alors, puis-je rentrer chez moi ? Allez-y, dit la garde, mais restez à Clermont. Après le départ du jeune homme, le commissaire et le capitaine Dumont se consultèrent du regard. « Qu'en penses-tu ?
demanda enfin Jocelyne. Je pense que j'aurais préféré avoir suffisamment d'éléments contre lui pour pouvoir le mettre en garde à vue. Je suis presque certain que nous lui avons appris de choses en le convoquant. Il sait à qui appartient la voiture et le bijou. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de regrettable. Tu te fais des idées, Jean. J'ai vu son expression aussi, bien sûr. Je pense plutôt qu'il sait que cette pochette de portable appartient à Émilie. C'est peut-être lui qui l'avait offerte à la jeune fille. Je suis sûre qu'il a joué un rôle dans ce crime. La garde ne répondit pas. Il restait persuadé que convoquer à nouveau Julien avait été une mauvaise idée. Et lui, le commissaire au flair infaillible, n'avait rien fait pour empêcher cette erreur. La soirée était bien avancée. Il rassembla ses notes et salua Jocelyne. Celle-ci, occupée à tapoter frénétiquement sur son clavier d'ordinateur, lui répondit à peine. Au moment où il franchit la porte du commissariat, quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tacher le béton chaud du trottoir et séchèrent aussitôt. Il leva les yeux vers le ciel. L'orage menaçait, mais il n'éclatait pas. La garde s'imaginait une main géante, invisible, qui refuserait d'ouvrir les vannes des nuages afin de priver ceux qui attendaient la pluie de la fraîcheur tant espérée. Voilà, c'était l'extrait du livre de Josillac. Parlons un peu de Dominique Hulen. Cette femme, en plus d'être auteure, s'occupait de la réinsertion sociale des jeunes en difficulté, donc en échec scolaire. Elle travaillait aussi sur l'émancipation des femmes. Nous lui avons donc demandé de quoi parlait son livre, intitulé « L'adieu et les larmes ». Je parle de mon combat, de ma vie, et si vous voulez, j'accompagne ma sœur qui est en fin de vie. Et avec ma sœur, nous n'avions pas du tout, avec la même éducation, nous étions trois filles, on n'avait pas du tout la même vision de la vie. Elle avait une vision, ce que j'appellerais très bourgeoise. On se marie, on a des enfants et notre vie est remplie. Et moi, je me disais, il faut s'accomplir en tant que femme. Donc on avait des combats, toutes les deux, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et on a été, je le dis dans mon livre, on a été des sœurs fâchées à des moments parce que c'était... Moi, j'étais tellement forte dans mes engagements et elle aussi dans les siens. Ça se télescopait, alors des fois, on ne se parlait plus. Voilà. Et on s'est réunis parce qu'elle a été très malade, puisqu'elle est morte, elle a eu un cancer. J'ai eu le même cancer au même moment qu'elle. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et c'est des choses de la vie qui nous ont frappées. Et ma sœur, je l'ai enterrée, je l'ai accompagnée. Et j'ai voulu la faire vivre à travers le témoignage du livre pour lequel je suppose aussi vous m'interviewez. Justement, ce livre, c'est le premier livre que vous faites. Oui. Donc il a une certaine importance quand même pour vous. Oui, il a d'autant plus d'importance que j'étais dans les 5 finalistes de l'ANDRA aujourd'hui, mais que je n'ai pas été sélectionnée dans les 3 premiers prix. Mais bravo pour celles qui l'ont été. Elles avaient certainement aussi peut-être plus de talent ou ouais, ça a peut-être plus plu. Enfin bon, je leur dis bravo. Mais j'ai quand même été fière d'être dans ces 5 premières parce que c'est pas aussi simple. D'abord de parler de soi et de se dévoiler, c'est pas facile. Et puis après, en tant que jeune auteur, parce que je m'appelle pas écrivain encore, mais on doute beaucoup quand on écrit. Hein, et on se pose toujours la question de savoir comment le lecteur va prendre les choses, comment vous allez faire passer les émotions, comment... Voilà, et pour moi, ce livre a été aussi s'il a été une thérapie à quelque part, il a été aussi un premier jet d'écriture qui m'a beaucoup plu. Ça a été compliqué pour trouver des éditeurs ou l'histoire a plu directement? Oui, c'est très compliqué. Une fois qu'on a écrit son livre, alors j'étais assez humble et modeste pour ne pas me dire je vais aller chez Albin Michel, ils m'attendent. Hein, parce que là, ils ne m'attendaient pas du tout. D'ailleurs, personne ne m'attend et personne n'attend personne. Donc, il a fallu taper à plein de portes. Et puis, j'avais laissé mon livre à quelques éditeurs qui m'avaient répondu non. Et un jour, j'ai une éditrice qui est édition Passion du Livre, Marika Dorès, pour ne pas la nommer, qui m'a téléphoné en me disant « Votre livre m'a plu ». Il m'a rappelé aussi des souvenirs parce que ce premier livre par rapport au second que j'ai écrit, ça parle à des personnes quand on a perdu un être cher, quand on a... Voilà, ça rappelle, il y a des résonances comme ça. Et qui m'a dit « J'aimerais pouvoir le publier ». Mais je ne suis pas riche, donc il va falloir qu'on s'organise ensemble pour que
mise un peu sur vous, mais que je ne sois pas trop perdante. C'était vraiment elle a été très claire en me disant que je ne ferais pas des scores absolument énormes, mais que ça serait un premier pas, qu'elle allait m'aider dans ce premier pas. Voilà comment s'est passée notre rencontre. Et on m'a dit, on a ouvert, c'est tout le monde me dit ça. On ouvre, on commence à lire, au bout de 10 pages, on lâche plus le bouquin parce qu'on sait la fin, elle est inéluctable, mais on a quand même envie, on est accroché à la lecture de ce livre. C'était l'interview de Dominique Hulaine sur Blaise FM. Cette femme a été la plus touchante entre tous les auteurs. On sentait dans sa voix qu'elle avait un vécu difficile et ça nous a beaucoup touchés nous aussi. On a été happé par son histoire très rapidement. Nous allons donc vous lire un extrait de son livre, L'adieu et les larmes. Chapitre 1. Du Montana à la villa du manoir. Il avait été convenu, avec l'établissement de convalescence et rééducation où Martine séjournait, le Montana, établissement bien français et qui ne rappelait en rien les rocheuses du Nouveau Monde, qu'elle pourrait revenir chez elle pour une petite semaine de vacances si une personne était en mesure de l'accompagner 24 heures sur 24. Des vacances amères. Ma grande sœur souffrait d'un cancer avancé, pour ne pas dire en phase terminale. Une AHD, hospitalisation à domicile dans le jargon médical, était alors mise en place pour permettre à Martine de recevoir l'ensemble des soins que son état exigeait. Caroline et Jessie retrouveraient leur maman à la maison. Bref, trêve entre deux séjours hospitaliers. La garder en vie, pauvre papillon qu'un souffle ténu tenait encore et qui brûlait ses ailes à la dernière chaleur d'un été crépitant. Elle végétait. Vendredi 19 juillet 2013. De bonne heure, je débarquais de mon Auvergne natale avec livres, magazines et vêtements pour dire l'on s'habille quand le jour se lève. La semaine poitevine n'aurait rien à voir avec la Fashion Week. Il faudrait se nourrir pour tenir le coup et s'habiller pour recevoir le balai des soignants. Après avoir récupéré les clés auprès des filles qui avaient rempli le réfrigérateur pour des repas pantagruéliques que personne ne ferait, arrivé à bon matin, je m'attaquais à la mise en route de la villa du manoir. Cette expression fait penser à l'ouverture des maisons de famille pour des étés réunissant parallèles et amis où, comme dans les films de Diane Curis ou Nina Campanese, se côtoient ordinaires et petits drames sur fond de cigales et de rosées. En l'occurrence, cela devait être le dernier été pour Martine. La maison ne sentirait pas l'iode et les embruns, mais l'éther et les relents de pansements. Donc voilà pour l'extrait. Passons maintenant au dernier auteur, Michel Benoît. Il est d'ailleurs déjà venu au lycée Blaise de Vigenère pour interagir avec des élèves. Nous avons donc demandé à Michel Benoît d'expliquer la raison de sa présence au salon. Oui, alors voilà, je suis donc venu à Combonde, invité par donc l'association Andra, hein, le Noël des romanciers d'Auvergne. Alors moi j'écris, enfin je suis dans la Nièvre actuellement, j'écris donc des livres d'histoire parce que je suis historien. Donc plus spécialement sur la Révolution française, mais pas que, puisque j'ai sorti un livre dernièrement aux éditions Marivaux qui s'appelle « Les grands événements de l'histoire ». Et j'écris aussi des romans policiers, voilà, donc, et entre autres, j'écris un personnage qui s'appelle le commissaire Merle, et ça fait le 14e livre voilà, qui est édité avec des énigmes policières. D'accord, donc vous écrivez beaucoup de romans policiers. D'où vous vient toute cette inspiration pour les écrire ? Ben, l'inspiration, elle me vient en regardant les gens autour de moi, voilà. Parce que moi, en fait, le roman policier, c'est, pour moi, c'est surtout l'occasion de décrire les gens, d'écrire la vie qu'ils ont, et puis d'approcher un petit peu socialement, je veux dire, la vie de tous les jours. Hein. Alors évidemment, l'énigme par elle-même, c'est très important. Parce que bon, c'est du policier quand même, faut pas l'oublier. Mais à côté de ça, je veux dire, bon, ça permet aussi, c'est de, bah, d'aller plus, je veux dire, dans la description bah, des personnages, et puis savoir ce qu'ils font dans leur travail, les coutumes qu'il y a, où ils habitent, etc. Quoi. Et ça, c'est bien, ça. Voilà. Et donc justement, est-ce que vous avez quelques conseils pour les personnes qui voudraient écrire ce genre de roman ou... Alors, le conseil, j'en ai pas parce que je, en fait, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas la prétention de donner des conseils. Mais de toute façon, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il faut toujours écrire et travailler, quoi. Écrire. Voilà. Et c'est en écrivant qu'on arrive à écrire des choses intéressantes, quoi. Voilà. C'est comme tout, quoi. C'est comme le sport, c'est comme, voilà.
faut s'entraîner à écrire, faut écrire, écrire et aimer. Aimer ce qu'on fait. Voilà. Vous avez été édité il y a 20 ans pour la première fois, donc ça fait déjà pas mal de temps que vous écrivez. Et donc c'est quoi qui vous a donné la première fois l'inspiration d'écrire? Vous avez toujours voulu être édité? Alors, oui, j'ai eu la chance d'être édité il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Ben, je pense que c'est le fait de lire, déjà. Hein, donc, si on lit pas, on n'a pas envie d'écrire. Et puis, donc, j'ai lu, comme tout le monde, hein, quoi, très tôt, quoi. Et j'ai commencé à écrire très tôt aussi, quoi. J'ai écrit beaucoup de chansons, beaucoup de poésie, beaucoup de... Et puis, un jour, je me suis lancé à écrire de l'histoire, voilà. Parce que j'étais historien aussi, et puis voilà, donc, j'écris pour le théâtre, j'écris dans les journaux, j'écris un peu pour tout. Quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était l'interview de Michel Benoît sur Blaise FM. Je vais donc vous lire un extrait de son livre, La belle marinière, qui était le premier roman. Le ciel était gris. L'automne s'était installé définitivement cette fin d'octobre, et depuis plusieurs jours, chacun espérait qu'une éclaircie viendrait égayer l'horreur, amenant avec elle la résurrection d'une nature qui s'apprêtait à s'endormir pour quelques mois. La pluie tombait tantôt en cascade, tantôt par minces filets, et l'humidité s'invitait partout, jusque dans les moindres recoins d'une cité qui perdait peu à peu l'envie de vivre. Pour Merle aussi, cette journée commençait comme toutes les autres. Il avait rejoint son bureau tôt le matin, décidé à ne répondre à aucun appel téléphonique, avec la ferme intention de mettre de l'ordre dans ses dossiers. « Tu viendras m'aider, la mouise », avait-il lancé dans l'entrebâillement de la porte séparant son bureau de celle des inspecteurs. Celui-ci avait répondu par un grognement habituel, convaincu qu'une fois de plus, la réalité journalière aurait certainement le dessus sur les bonnes intentions du commissaire. Merle regarda par la fenêtre. Les employés de la ville balayaient les feuilles tombées des tilleuls, créant un amas glissant qu'ils s'efforçaient de ramasser, nonchalant, avec une pelle dans un tombereau. Au dehors, l'agent en faction piétinait le pavé avec le mince espoir de se réchauffer, tout en regardant les passants presser le pas entre les étalages et les devantures de boutiques annonçant la prochaine braderie. Voici la fin de cet extrait qui marque aussi la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment parmi nous. Vous pouvez nous retrouver demain à 12h15 en direct et toujours sur Blaise FM. Nous vous souhaitons donc une bonne journée et nous vous laissons avec la chanson de Big Flo et Oli intitulée « Monsieur tout le monde ». Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air. Ouais, j'y pense des fois, les jours se ressemblent, comme ma fille et moi. Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Dis bonjour aux voisins, au revoir connard.